Frères et sœurs dans le Christ, pour grandir avec le ressuscité, il importe de suivre deux voies indissociables, l'amour et la fidélité à ses commandements. En ce sixième dimanche de Pâques, tournons-nous vers le Christ qui est amour
tout en reconnaissant que nous sommes pécheurs et pécheresses, implorons sa grâce et sa miséricorde. Je confesse à Dieu Tout-Puissant c'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, au Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Nous sommes en action de grâce avec Jude, Saint-Jean et Bérette Dufette et tous les fidèles de la paroisse de la cathédrale. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, accorde-nous ces jours de fête de célébrer avec ferveur le Christ ressuscité, que le mystère de Pâques dont nous faisons mémoire reste présent dans notre vie et la transforme. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles, plus des siècles. Thank you.
la première lettre de Saint Paul à Paul. Frère, c'est le Seigneur, le Christ, que vous devez reconnaître dans vos cœurs, comme le seul saint. Vous devez toujours être prêt à vous expliquer devant tous ceux qui vous demandent de rendre compte de l'espérance qui est en vous. Mais faites-le avec douceur et respect. Ayez une conscience droite pour faire honte à vos adversaires ou moi-même pour qu'ils calomnient la vie droite que vous avez menée dans le Christ. Car il vaudrait mieux souffrir pour avoir fait le bien si c'était la volonté de Dieu, plutôt que pour avoir fait le mal. C'est ainsi que le Christ est mort pour les péchés une fois pour toutes. Lui, le juste, est mort pour les coupables afin de vous introduire devant Dieu. Dans sa chair, il a été mis à mort. Dans l'esprit, il a été rendu à la vie. Parole du Seigneur. La radio Mes Contrées et la page du diocèse,
frères et sœurs dans le Christ. La liturgie de ce du sixième dimanche de Pâques nous prépare aux deux solennités qui approchent, l'Ascension et la Pentecôte. La première marque le départ définitif de Jésus vers le Père et la seconde l'envoi de l'Esprit qui guidera les disciples dans la mission, en faisant définitivement les disciples et des missionnaires de Jésus-Christ. Le temps de Pâques, en plus de diriger nos esprits et nos cœurs vers la joie de la résurrection du Christ, est aussi un temps de séparation et d'attente. Dans ce contexte, les textes sacrés en ce sixième dimanche nous invitent à plus d'audace et de détermination dans le témoignage de notre foi au cœur de ce monde hostile à l'Évangile de Jésus-Christ. Frères et sœurs, la première lecture tirée du 8e chapitre des Actes des Apôtres nous montre comment la persécution des disciples du Christ a été une aubaine pour porter l'Évangile au loin, la bonne nouvelle. C'est répandu parce que la croix du Christ porte des fruits qui demeurent. Elle donne l'audace de l'assurance. Frères et sœurs, il faut savoir que la Samarie était une région méprisée. Les Juifs pieux évitaient de fréquenter les Samaritains et de leur parler. Ces derniers étaient considérés comme des infidèles au Dieu d'Israël. Touchés par la grâce, beaucoup se sont convertis et se sont fait baptiser. Pour eux, c'est une Pentecôte. C'est vrai, nous devons rendre grâce pour les bienfaits de Dieu, parce qu'à ses yeux, personne n'est irrécupérable. Et ce matin, nous sommes invités à l'instar de ses apôtres, à l'instar de Philippe, nous sommes envoyés pour annoncer l'Évangile, pour accueillir et écouter les autres. Voilà notre mission ce matin. Annoncer l'Évangile, accueillir et écouter les autres. Il est important et nécessaire ce matin, frères et sœurs, d'être aussi à l'écoute de l'Esprit Saint. Dans un monde fragilisé, dans un monde de stress, il est important, frères et sœurs, de mettre en pratique la parole de Dieu. Annoncer la bonne nouvelle. Écouter les autres. Et nous sommes invités aussi à accomplir des gestes qui guérissent, des gestes aussi qui libèrent, des gestes qui relèvent et redonnent vie et espérance. Oui, notre mission se focalise autour de ces gestes. Des gestes qui guérissent, qui libèrent, qui relèvent et redonnent vie et espérance. Dans la seconde lecture, nous avons écouté, nous avons vu comment l'apôtre Pierre demandait aux nouveaux convertis de ne pas avoir peur et d'avoir le courage de rendre compte de l'espérance tout honneur qui les animait, de ne pas avoir peur, d'avoir le courage de rendre compte de l'espérance qui est en vous. Rendre compte de sa foi, ce n'est pas se lancer dans des argumentations compliquées, dans des discussions banales, mais c'est témoigner courageusement
et simplement d'une vie renouvelée par le message de Jésus. Rends-nous compte de notre foi, c'est pas dans le sens de taquinerie. Inviter les autres dans les grands débats autour de la foi, mais c'est rendre compte de notre foi, de l'espérance qui nous anime, l'espérance de Jésus, la promesse de l'Esprit Saint, l'espérance de la résurrection, parce que nous sommes appelés à ressusciter avec Christ. Le message de l'apôtre Pierre ce matin nous rejoint de la situation qui est la nôtre. Dans bien des pays, ceux qui veulent rester fidèles à leur foi en Jésus-Christ sont persécutés et mis à mort. Des chrétiens peuvent être décapités, pendus, parce qu'ils croient au Christ, Fils de Dieu. Et nous pouvons dire dans notre cher Haïti, dans notre pays, les chrétiens, bien plus particulièrement les catholiques, sont persécutés à cause de leur foi, à cause de leur appartenance à la Vierge Marie. Nous jeûnons pile persécution, nous jeûnons pile intimidation et persécution, ça va avec ce mot. Parfois, nous venons de partout. Dans le cas, il a côté de la vivre là. Dans ma chère, côté de la vendre là. Dans le travail, dans l'école et même dans le bureau, nous persécutons à cause de l'appartenance. Je dis à vous avec ce mot. Deuxième lecture, ça. Il doit être enraciné dans la vie pour nous-mêmes, comme chrétiens catholiques, pour ne pas peur témoigner la foi, pour ne pas peur à l'échapper, pour nous la prier. Nous ayons dévotion à Notre-Dame, à Marie, notre mère. Parce que espérons ça qui nous nous maintenant, c'est grâce à Jésus. Grâce à la résurrection de Christ. Mais vraiment avec ce mot, pour nous capables de poster face à toute intimidation, ça, à toute persécution, ça. L'apôtre Pierre nous indique une ligne de conduite à tenir, douceur. Nous ne devrons jamais renoncer à témoigner de notre foi, quelles que soient les conditions. Apôtre Pierre nous recommande, soyez toujours prêts à vous expliquer devant tous ceux qui vous demandent de rendre compte de l'espérance qui est en vous, mais faites-le avec douceur et respect. C'est deux vertus, ça. L'apôtre Pierre nous demande ce matin de cultiver en nous comme chrétiens catholiques, comme chrétiens baptisés en Jésus-Christ, pour nous réposter avec douceur et respect. Respect, non pour l'autre. Quelle que soit la religion, on peut y respecter. De parler avec un pile simplicité, non pas avec arrogance, mais avec beaucoup de douceur. Nous disons capable de dire, c'est même Jean et Timon, le moment à lever Timon, il faut nous lever dans la douceur et dans le respect. Et c'est une invitation, ça, avec ce. Apôtre Pierre nous invite à adopter ce matin, en ce 6e dimanche de Pâques, comme chrétien, pour ne pas peur témoigner la foi. Mais pour nous faire ça comme avec ce lieu, ne pas nous faire avec violence, ne pas nous faire avec recul, mais nous le faisons avec beaucoup de douceur, avec beaucoup de respect. Il s'agit comme avec ce lieu de témoigner sans peur, ni honte, ni violence, ne pas nous peur, ne pas nous honte. Ne pas nous faire violence. C'est vrai, femme avec ce lieu. Parfois, il y a des gens qui ont invité nous à la conversion. Ils sont prêts à bataille. Tellement ils ont utilisé violence. Mais nous-mêmes, femme avec ce lieu.
même qui s'est fidèle, qui a écouté Jésus, qui a mis des paroles au cœur de l'application. Maintenant, nous avons deux vertus qui sont primordiales dans la vie pour nous pratiquer comme chrétiens, comme baptisés, comme catholiques. Mais c'est la douceur et le respect. Dans le prolongement de cette lettre de Pierre, l'Évangile nous apporte un éclairage réconfortant. Dimanche dernier, Jésus nous disait : Je suis la voie, la vérité, la vie. Aujourd'hui, il ajoute : Je prie le Père, il vous enverra un défenseur qui sera toujours avec vous. C'est l'esprit de vérité. Défenseur, ça tombe avec chemin. Il y a toujours avec nous. C'est l'esprit de vérité. Rappelons-nous, frères et sœurs, que cet esprit de vérité nous a été donné au jour de notre baptême et de notre confirmation. Ce défenseur, l'évangile de ces hommes l'appelle le paraclet. L'Esprit Saint est pour nous ce paraclet. Ce défenseur qui intervient quand nous sommes mis en accusation au nom de notre foi. Ce défenseur intervient aussi pour nous conseiller, pour nous encourager, pour nous consoler et nous soutenir dans les moments difficiles de notre vie. Ce paraclet est toujours là avec nous. Défenseur Zafrida Mishamio est toujours là avec nous. Le moment difficile, le moment d'angoisse, le moment de peur, le moment de solitude, l'Esprit Saint nous accompagne. L'Esprit Saint nous soulage. C'est moi, défenseur, ça, pour là avec, pour guider nous, pour accompagner nous. Et surtout, dans temps difficile, la vie que je aujourd'hui à cause de pandémie qui empêchait nous de réunir ensemble pour nous célébrer la foi, pour nous manifester reconnaissance envers Jésus. Mais l'Esprit Saint nous accompagne, vous m'avez cherché, quel que soit le côté de nous, la caille, le marché, le travail. Mais il est important, vous m'avez cherché, que nous mettions tous à défenseur ça. Parce que défenseur ça, l'esprit, c'est par après ça, à pousser nous à aller de l'avant. Nous ne pouvons pas être chita, nous ne pouvons pas être enfermés dans une situation difficile, la vie que nous avons dit. Mais l'esprit, ça permet nous une grande ouverture pour nous témoigner le mot miséricorde pour Dieu. Oui, nous tenons le deuxième mot sur la Bible. L'apôtre Pierre nous dit que nous devons être toujours prêts à nous expliquer devant ceux qui nous demandent de rendre compte de l'espérance qui est en nous. Mais pour répondre à cet appel, nous avons besoin, nous aussi, de l'Esprit Saint pour nous capables de répondre à appel ça, pour nous capables de témoigner la foi. Nous avons besoin de présence. L'Esprit Saint dans la vie, il est là du côté de ceux qui sont attaqués à cause de leur foi. Comme chrétien catholique, nous avons besoin de l'Esprit Saint, ça. Je dis là, dans la vie, pour nous être capables de résister à intimidation, à persécution. Je dis à vraiment avec ceux qui ont plusieurs formes de persécution. Plusieurs formes de persécution. Mais pour nous capables de répondre à accusation ça, à attaque ça, nous avons besoin de l'Esprit Saint dans la vie. Oui, l'Esprit Saint intervient aussi quand nous sommes confrontés à nos propres faiblesses. Quand nous disons, nous ne sommes pas capables, il nous dit, vas-y, je suis là avec vous. Parfois, dans un moment de détresse, nous sentons nos soeurs, nous ne pas personne qui nous aide. Mais
mais l'Esprit Saint est toujours là avec vous. Ça veut dire qu'avec ce lieu, il faut que nous vivions de la fidélité, dans l'amour. Et Jésus continue de dire dans l'évangile de ce matin, si vous m'aimez, vous resterez fidèles à mes commandements. Comment être fidèle aujourd'hui dans un monde angoissé, dans un monde de peur? Comment être capable de fidèle vraiment avec ce Dieu? Et c'est la grande question qui nous interpelle ce matin. Comment être fidèle aujourd'hui? Et Jésus nous le dit ce matin, si vous m'aimez, vous resterez fidèles à mes commandements. Et Jésus nous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé. Et je viens vraiment avec ce Dieu. Comment nous capables de fidèles? Comment nous capables de rêver? Cher Jésus, demandez-moi, aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé. Vous devez aussi vous aimer les uns les autres. Faites avec ce Dieu. Seul l'amour qui va pas sauver le monde, ça, je vous dis. Et si nous parions rêver dans le cœur, et si nous parions rêver, vous ferez avec ce Dieu, le monde, ça a dépéri. Et un grand théologien disait, au soir de notre mort, nous pas juger sous qualité, sous capacité, sous santé qu'on fait, mais nous juger sur l'amour. Et Jésus ce matin nous dit, si vous m'aimez, vous resterez fidèles à mes commandements. Il nous invite à vivre dans l'amour. Et l'amour vient d'une rencontre avec une personne. Nous ne pas capable d'aimer dans l'abstraction, dans le sens que nous paraissons ne pas aimer. Mais l'amour vient d'une rencontre. D'une rencontre avec une autre, avec une personne. Ça veut dire, dans le monde, il y a un échange, il y a un accueil. Comment accueillir fidèlement? Comment vivre ensemble avec lui? Et comment nous aimer? Est-ce que c'est l'amour qui invite à la vie pour lui? Est-ce que c'est l'amour qui invite à détruire? Parce que je dis, c'est ça la vie dans la société. Non. Le plus souvent, nous montons sur deux là pour nous détruire. Au lieu de t'aider à progresser, mais nous plutôt détruire. Oh, Jésus nous le dit, aimez-vous les uns les autres. Être fidèle aujourd'hui. Comment nous capables de vivre fidèle au Christ? Pendant que nous petit gras, n'importe qui bagaille, nous fait un pile tourner. N'importe qui bagaille, nous prêts pour aller ailleurs. Dans moments difficiles, dans moments de peur, dans moments de solitude, comment nous sommes capables d'être fidèles? Comment nous pouvons croire? Comment nous vivre épreuve aujourd'hui, je dis? Épreuve la vie aujourd'hui, je dis. Est-ce que nous vivions dans la foi? Ou bien est-ce que nous vivions dans la peur? Ou bien est-ce que c'est l'occasion d'où? Pour nous accuser mon Dieu, pour nous demander mon Dieu, est-ce que c'est lui-même? Parfois, dans une situation difficile, ça, nous toujours chercher le monde pour accuser. Épreuve difficile, ça, est-ce que nous vivons avec pile la foi? Et Jésus pour nous révéler, épreuve l'unité vivre. Dans fidélité avec papa. Et je dis vraiment avec ce lieu. Nous devons vivre épreuve ça, en fidélité avec Jésus-Christ. Si la foi, si une relation avec Jésus qui est vivant, nous devons vivre la foi, je vous dis, vraiment avec ce lieu. Mais pour nous vivre ça, nous avons besoin de présence de l'Esprit. Jésus continue dans l'évangile pour nous dire qu'il est à la fois la vérité de Dieu et la vérité de l'homme. Il avait annoncé, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et moi en vous. Que vous êtes en moi et moi en vous.
Ça veut dire vraiment avec ce nom, nous incarnons dans Jésus. Jésus a vivre en nous. C'est à travers lui que nous découvrons qui est Dieu. Le Christ est la vérité sur Dieu. Qui me voit le Père, disait-il. Tout ce comportement nous révèle le vrai visage de Dieu. Un Dieu qui est Père et qui aime chacun de ses enfants. En voyant vivre Jésus, nous découvrons aussi la vérité de l'homme telle que Dieu l'a fait et le veut en le sauvant par son Fils. Totalement libre, totalement pleinement responsable, vrai avec lui-même et avec les autres. Et s'il a copié sur Jésus, nous devons être vrais envers nous-mêmes, d'abord être vrais, et pour nous capables de vivre vérité ensemble avec le Dieu. Nous vivons trop dans le mensonge, dans la rancune. Voilà avec ce lieu, il suffit de lire l'Évangile, toute la parole de Dieu, pour découvrir que Dieu est miséricordieux, que Dieu est amour et que Dieu est fidèle. Pour découvrir aussi que Jésus est vrai, vrai dans ce qu'il dit, vrai dans la conformité de sa vie à ses paroles. Du fond de nous-mêmes, frères et sœurs, avec l'aide de l'Esprit, jamais en nous, nous devons travailler chaque jour pour nous identifier à Jésus, devenir nous-mêmes, pour nous focaliser sur la croix du Christ. Frères et sœurs bien-aimés, dans une société où la haine, la jalousie, l'injustice, le manque d'amour, l'incompréhension, l'insécurité, l'intolérance, la souffrance, la maladie, les discriminations, demande à l'Esprit ce matin la force et le courage de vaincre ces fléaux par l'amour, la justice, la tolérance, le respect de Dieu, la compréhension. Demeurons convaincus que le paraclet de nos défenseurs habite réellement en nous et n'ayons pas peur de témoigner de notre foi dans cette société. Soyons toujours prêts à rendre compte de l'espérance qui est en nous. Et notre espérance vient de cette parole de Jésus. Je ne vous laisserai pas orphelin. Vous me verrez vivant et vous vivrez aussi. Souvenons-nous de cette promesse. Soyons sans cesse des témoins de la vérité du Christ. Et l'Esprit de vérité sera toujours avec nous et pour nous défendre toujours et partout. Puissions-nous, frères et sœurs, nous laisser habiter par cet Esprit et lui rester fidèles tout au long de notre vie. Prions-le pour qu'il nous transforme au plus profond de nous-mêmes pour nous aider à vivre et à aimer comme lui et avec lui, aujourd'hui et pour les siècles et les siècles. Amen. Yeah.
Dans une prière unanime, frères et sœurs, faisons monter vers le Seigneur notre supplication pour tous les hommes, afin que tous puissent mener une vie calme et paisible et parvenir au bonheur éternel. Prions les uns pour les autres, pour tous ceux et celles qui sont malades, plus particulièrement ceux qui sont ceux et celles qui sont affectés par le COVID-19. Prions pour les fidèles de la paroisse. Après chaque intention, nous chantons. Pape là, évêque yo à tout collaborateur yo. Pour bon Dieu continuer guider yo à lumière et soutien, pour malgré persécution à l'autre difficulté yo rencontré, yo gen conviction que bon Dieu toujours campé avec yo en nous la prière.
Que nos prières montent vers toi, Seigneur, avec ces offrandes pour le sacrifice. Dans ta bonté, purifie-nous et nous correspondrons davantage au sacrement de ton amour. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous.
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit. Et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Dans l'unité du Saint-Esprit. Amen.
fils et filles de même père, disons avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur, notre Père. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas le péché, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles et les siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.
Prions encore pour le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, dans la résurrection du Christ, tu nous recrées pour la vie éternelle. Multiplions-nous les fruits du sacrement pascal. Fais-nous prendre des fonctionnaires à cette nourriture qui apporte le salut. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles, les siècles. Les offices de la semaine du 18 au 24 mai 2020. Lundi 18 mai 2020, 7h AM, messe de Guillaume pour Synosia Unis, recommandée par Emeline Tébusma. Mardi 19 mai 2020, 7h AM, messe d'action de grâce pour Lutzaël Fatima Zidor, pour Max Bernard Richel, à l'occasion de son anniversaire de naissance. Pour Joël Joseph, pour tous les bienfaits reçus de Dieu. Mercredi 20 mai 2020, 7h AM, messe d'action de grâce pour Lynn Smith, à l'occasion de son anniversaire de naissance. Pour Joël Joseph, pour tous les bienfaits reçus de Dieu. Jeudi 21 mai 2020, 7h AM, messe d'action de grâce pour Lisbeth Trichet, à l'occasion de son anniversaire de naissance. Pour Joanne Joseph, pour tous les bienfaits reçus de Dieu. Samedi 23 mai 2020, 7h AM, messe d'action de grâce à l'honneur de la Vierge Marie, pour Présoir, Mirmonde, Prisca Jean-Pierre, pour Glory, Junior Esperada, Micheline et Gardi Thomas, pour Kerensky, Thierry, Hans-Mir, Monsieur et Madame Anselvio, pour Joanne Joseph, pour tous les bienfaits reçus de Dieu. Dimanche prochain, qui sera 24 mai 2020, 7e dimanche de Pâques, année A, animation. 7h AM, chorale Les Imitateurs de Marie et le comité liturgique. 8h30 AM, groupe Kibo. 5h PM, chorale Crainte de Dieu. Les annonces. Mais qui j'en programme à continuer aujourd'hui dimanche 17 mai. À 8h30 du matin, c'est chorale Nouvelle Étoile qui sera animée. À 5h dans l'après-midi, c'est toute la bonté de Jésus qui va animer. Clergé Parosta a rappelé nous pour dimanche cap finion 24 mai, toujours à gagner 4 messes dans Parosta. 2 premières messes, c'est à 7h du matin. 3e messe là, c'est à 8h30. Et 4e là, à 5h dans l'après-midi. Clergé Parosta a rappelé nous tout que le bureau secrétariat presbytère a fonctionné pendant 3 jours la semaine, lundi, mercredi et vendredi, sorti 9h du matin pour arriver midi. Jeudi 21 mai, c'est fête Ascension, mais cela a fait à 7h du matin. C'est chorale mécontrée qui prend animé. Avec ce jour, avant de se barrer l'une à l'autre, on nous répéter ensemble thème messe-là. Aimer Jésus, c'est pratiquer ses commandements. Aimer Jésus, c'est pratiquer ses commandements. Bon dimanche à tout le monde.
Frère, avec ce bureau, avant de recevoir la bénédiction finale, nous voulons remercier le chorale, les jeunes de l'Immaculée Conception, ensemble avec Maestro Arthur, qui était animé la célébration de l'Eucharistie là pour nous. Nous disons merci pour le dévouement, pour sens de l'Église. Et nous disons merci à l'éditeur, tout le monde qui était venu voir la liturgie parole là. Et nous voulons remercier les fatigables. À Bibi Verli, qui a fait un beau travail dans la radio Rencontrée, et tout staff radio Rencontrée, qui vous aide, nous, internautio, fidèle, qui n'est pas capable là, ensemble avec nous, vive mes cela à travers page diocèse là et à travers radio Rencontrée. Déjà, on a demandé à Bibi Verli, ensemble avec Benz, qui est ensemble avec nous maintenant. Je voulais remercier tout ce temps-là, ensemble avec le directeur, Dieu a visé, le vivant, Père Rock. Frère, avec ce bureau, même Jean, nous sommes en train de lire dans Thème Messe-là, mais Jésus, c'est pratiqué comme un on a essayé de vivre dans logique ça, pour nous capables de vivre, royaume, bon Dieu, pour nous capables de dire. La joie du ressuscité. Femme avec ce bureau, nous nous mettons debout pour nous capables de recevoir la bénédiction finale. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Semaine à vous tous. Merci mon père. Merci.